Joyeuse fête de la nativité de notre Seigneur et Rédempteur à chacun et à chacune d'entre vous. Et joyeuse fête à tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Que la grâce et la joie de ce jour inondent nos cœurs. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix. Quand il y avait la guerre, il y avait un sentinelle qui était là, qui guettait le messager, pour voir quelle nouvelle ce messager va apporter. On le voit dans le livre de Samuel, quand Absalom est en guerre contre son père David. Et ce messager, il apporte la paix. La paix pour les hommes, comme on l'a entendu hier. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, c'est-à-dire à chacun et à chacune d'entre nous. Nous sommes les bénis de Dieu. Ce messager, c'est Jésus-Christ lui-même, l'unique envoyé du Père, comme on l'a entendu dans l'Évangile. Et qu'est-ce qu'annonce ce messager? Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et ce Fils nous a tellement aimés qu'il a accepté de naître dans une crèche. Lui, le Fils de Dieu, lui par qui tout a été fait, sans lui, rien ne fut. Il vient dans l'humilité, dans la fragilité et la vulnérabilité d'un bébé. On a la joie d'avoir un bébé parmi nous. Je vois comment sa maman le cajole. On prend soin d'un bébé. On ne peut pas maltraiter un bébé. On le serre contre son sein et on se réjouit. Et c'est ça la joie de Noël. Mais dans son grand mystère d'abaissement, le Fils de Dieu a choisi d'être un des nôtres. Est-ce que vous savez pourquoi? Il pouvait descendre comme un ange. Ça allait être plus simple. Mais il s'est fait homme pour restaurer l'image du Père qui a été détruite par le péché d'Adam et Ève. Et il va s'abaisser, comme dit Saint Paul, en prenant la condition humaine. Et ce Fils, en s'abaissant, en devenant Fils de Dieu et Fils de Marie, nous donne la grâce, même le pouvoir, dit l'Évangile, de devenir enfant de Dieu. Est-ce que vous savez que nous sommes enfants de Dieu? Parfois, on oublie cette dimension fondamentale. On se définit par « je suis le fils d'un tel, d'une telle, j'habite à tel endroit ». C'est très rare qu'on vous demande qui vous êtes et vous répondez « je suis le béni de Dieu, je suis le fils de Dieu ». Qui parmi nous ose dire ça ce matin? Je suis le fils de Dieu. Eh bien, on pouvait le dire. Il y a un seul qui accepte de dire « je suis le fils de Dieu ». Et Jésus, par son incarnation, nous donne la grâce. Et ce qu'on entend dans cette belle lettre aux Hébreux, « tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré ». Quelle chance avons-nous ce matin d'être engendrés par Dieu? Nous sommes sortis de la main de Dieu, bien sûr, en passant par papa et par maman. Et c'est cette image que l'enfant de Bethléem est venu restaurer. Et donc, nous sommes une créature nouvelle. Et avec le psalmiste, on peut dire, exultons, crions de joie. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et cette filiation n'est pas fruit de la chair ni du sang, mais d'un vouloir divin.
Et Paul nous le rappelle dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1, versets 4 à 5. Dès avant la création du monde, Dieu nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs. Eh bien donc, l'héritage nous appartient. L'héritage, c'est ce que nous rappelle notre Père Saint Jean dans ce prologue. Et nous avons reçu grâce sur grâce. La joie de Noël, c'est de voir Dieu qui s'abaisse, qui s'adapte et qui s'ajuste à chacun d'entre nous. Et comme disait saint Irénée, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Ce n'est pas une prétention, c'est le dessein de Dieu. Raison pour laquelle nous sommes dans la joie. La joie de savoir que nous sommes destinés à participer à la gloire du Père. Et cela, ni la vie, ni la mort, rien ne peut l'enlever. C'est déjà gravé dans le cœur du Père. Et c'est cela notre joie. Désormais, le salut est ouvert à tous les hommes et à tout homme. Qu'on soit confiné, qu'on soit à l'église, qu'on soit même dans des lieux où on n'a pas la possibilité de célébrer l'Eucharistie. Cette gloire nous appartient. Oui, la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Nous avons la grâce, j'espère bien, d'avoir reçu le Christ. Mais cela ne suffit pas, frères et sœurs. Il ne suffit pas de dire « je suis chrétien, j'étais à la messe », comme si on doit cocher une case. Non, on doit laisser le Verbe de Dieu venir s'incarner dans notre chair pour que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui s'est livré pour nous. Est-ce que tout notre agir est éclairé par la lumière? Est-ce que tout notre agir est en vue de glorifier le Seigneur? Si tel est le cas, quittons nos ténèbres et marchons à sa lumière. Osons marcher dans la lumière, car seule la vérité nous rend libres. Il est passé la nuit, elle est passée cette nuit, la nuit de la souffrance, la nuit de la désolation, la nuit du doute, la nuit du manque de pardon. En un mot, la nuit de l'égoïsme. Un grand jour s'est levé, Dieu habite parmi nous. Et ce Dieu qui habite parmi nous cherche un lieu où reposer la tête. On l'a entendu dans une de nos raisons il y a 2 jours, que tous ceux qui s'inclineront devant la crèche puissent admirer la sollicitude de Dieu. Laissons-nous habiter par cette lumière. Jésus, tu es la lumière véritable. Viens chasser les ténèbres dans notre conscience qui nous juge, qui nous accable et qui nous révèle notre péché. Tu vois combien depuis Adam, l'homme se cache de Dieu. Tu vois depuis Adam combien l'homme a peur de Dieu. Or, toi, Dieu, tu n'as pas peur de te faire tout petit. Donne-nous cette grâce de l'humilité et obtiens-nous la grâce de marcher dans ta lumière. Oui, les ténèbres de l'angoisse ont disparu. Et comme Jean-Baptiste, nous voulons témoigner que c'est lui, le Saint, l'unique engendré du Père. Car personne ne connaît le Père, sinon le Fils. Et nous qui sommes réunis, nous avons la grâce que le Fils nous révèle, que le Père nous aime. À chacun d'entre nous, entendons dire Jean-Paul, Joséphine, Jacqueline, je t'aime, tu as du prix à mes yeux. Pour toi, mon Fils s'est fait chair, pour que ta chair ne connaisse pas la corruption, mais l'incorruptibilité. Jésus, en nous révélant le Père, tu nous introduis dans ta contemplation éternelle. Donne-nous cette grâce dès aujourd'hui
de changer notre cœur de pierre en cœur de chair, pour que ta parole puisse féconder notre vie, pour que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais que notre vie soit une action de grâce éternelle, pour que la gloire que tu es venu révéler aux hommes, que les anges ont proclamé en cette nuit très sainte, que les bergers ont contemplé, que Marie et Joseph ont adoré. Donne-nous d'être des adorateurs, en esprit et en vérité, afin que notre vie soit une vie d'enfant de Dieu, qui vit et règne Dieu pour les siècles des siècles. Amen.